Salut et bienvenue sur notre chaîne. Voilà, ce soir, je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de faire les différents bypass. Voilà, c'est-à-dire le nom du logiciel, c'est TFT Unlocker. Voilà, ce logiciel a fait une nouvelle version, une nouvelle mise à jour. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'est ajoutée à l'ancienne version. Vous voyez, le logiciel est semblable à Unlock, la seule différence que ce logiciel n'a pas la fonction Apple. Voilà, donc ici, je vais vous présenter un peu le logiciel en question. Il dit bien TFT Unlocker version 1.3.2. Voilà, donc ici vous suivez ici, il y a plusieurs marques dans ce logiciel, à savoir Xiaomi, Oppo, Huawei, Vivo, Qualcomm, Universal. Donc ici, je vais vous montrer d'abord les différents téléphones, les différents modèles qui sont dans Oppo. Nous regardez ici, vous cliquez sur Oppo et puis vous suivez tout ce qui est là. Voilà, donc pour faire le bypass ici, c'est très simple ici, vous choisissez le modèle, vous cliquez dessus et vous allez voir dans la deuxième colonne les fonctions que vous souhaitez utiliser. Donc ici je clique sur Huawei. Donc ici je descends pour voir les différentes fonctions de Huawei. Ici c'est le Kirin, ainsi de suite ici. Donc il descend encore plus bas. Il descend encore plus bas pour voir. Ok, je vais choisir ce modèle. Je clique dessus. Et je viens ici dans la deuxième colonne ici. Vous voyez dans la deuxième colonne ici. FRP, Remove. Ici aussi, en bas, ainsi de suite. Voilà, donc ici, pour faire le bypass, c'est très simple. Si vous cliquez seulement sur FRP Remove, ou bien la deuxième fonction. Lorsque vous ne voyez pas la fonction que vous voyez dans la deuxième méthode, vous pouvez venir ici dans la deuxième. Ici, la méthode, c'est MTP Bypass. Ici, troisième, c'est le modèle du mode fastboot. Vous mettez le téléphone en mode fastboot pour pouvoir faire le bypass ici. Ok, donc je viens ici dans Vivo. Les différents modèles de Vivo ici aussi, il y a toutes sortes de modèles de Vivo ici, tout ce que vous voulez trouver dans ça. Donc je viens ici dans Qualcomm pour pouvoir flasher les différents modèles de Qualcomm ici. Donc vous venez ici, vous choisissez le modèle, regardez ici, je viens regarde ici, mettons EMCC ou bien EFS. Donc ici c'est pas trop important, ça c'est pas trop important. Donc ici je viens dans Universal. Excusez-moi, MTK plutôt. Donc ici, tous les téléphones à processeur médiateur, vous venez ici pour faire le bypass, c'est très simple ici. Vous venez en sécurité, regardez ici, ERAS, FRP, ici en bas, c'est service. Mais service, c'est pas là, le plus important, c'est sécurité. Sécurité, c'est pour enlever tout ce qui est compte Google Code. Voilà, donc ici, regardez ici, voici les différentes fonctionnalités de la partie médiathèque, tout ce qui concerne médiathèque ici. Donc, cliquez seulement sur Mediatek, vous voyez tout ce qui est là en service aussi. Vous voyez ERAS, EFS, ainsi de suite. Si on suit encore, et voici toutes les fonctions ici. Donc, après ça, après le Mediatek ici, je viens dans Nokia. Voici les différents modèles de Nokia ici. Et celui-là vient d'ajouter la nouveauté en plus des anciens qui existaient sur le logiciel ici. Vous voyez, il y a le Nokia à processeur Spreadrum. Et si vous venez dans la deuxième colonne pour exécuter ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire de votre téléphone ici. En un clic seulement, vous avez la solution à vos problèmes ici. Voilà, donc ici, regardez ici encore. Après ça, il y a la Samsung. Samsung met beaucoup l'accent sur la Samsung parce que les Samsung sont des téléphones qui fatiguent un peu la plupart des réparateurs de ce modèle de téléphone ici. Donc ici, vous venez seulement vous choisissez le modèle de téléphone que vous souhaitez, voilà, vous choisissez, par exemple, je prends, ici, il y a les Snapdragon, il y a les Exynos, voilà, les Exynos Snapdragon, il y a les A01, A02, et M1, M01, et d'autres modèles, plein d'autres modèles du jour, voilà, donc, tous les modèles que vous voyez, tous les modèles sont inclus dans ce logiciel. Pour l'utiliser, c'est très simple, si soit vous passez par le modèle de par le mode plutôt par le mode de ADB ou même mode MTP ici. Donc ici en un clic ici vous avez la solution ici. Pour en un clic vous avez fait le bypass ici. Vous venez vous choisir le modèle et vous cliquez seulement sur ADB en un clic ici. En un clic vous avez la solution, ou bien si vous faites que ça ne passe pas, vous choisissez le modèle ADB ou bien MTP pour pouvoir résoudre le problème du FRP Remove. Vous voyez ici, il y a plusieurs modèles de téléphone que vous souhaitez faire le bypass. Voilà, donc si c'est la première fois que vous voyez la vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager aussi avec ceux qui en ont besoin. Donc, si on continue encore, vous venez dans la deuxième fonction ici et en un clic toujours, vous avez la solution à votre problème. Voilà. Cette méthode marche avec tous les Samsung ici. Il dit bien tous les Samsung, c'est vrai. Et il y a un Samsung qui c'est un peu compliqué à faire les différents bypass, mais avec celui-ci, vous avez tout. Puisque c'est un logiciel qui a été copié un peu sur un lock tool. Un lock tool, aujourd'hui, c'est un logiciel incomparable. C'est un logiciel très complet. Voilà. Donc, ici, je viens aussi dans autre modèle ici, le nouveau, à savoir le nouveau. Vous avez toutes sortes de modèles et le nouveau ici. Pour tous ceux qui ont le nouveau qui ne savent pas comment faire le bypass ici, vous pouvez venir choisir le modèle et vous venez choisir les choses, la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser. Donc si je viens ici, je regarde les autres modèles ici, je viens, je décide les blablabla, tous ces logiciels et tous ces modèles sont inclus dans les endroits où c'est un très bon logiciel. Et je le dis chaque fois ici, sur cette chaîne, j'essaie de trier et mettre les meilleurs sur la chaîne. Voilà, donc ici, en tout cas, si vous êtes nouveau toujours, n'hésitez pas à liker, m'encourager avec des pouces bleus et commenter aussi pour améliorer ma manière de faire mes vidéos une prochaine fois. Voilà, donc ici, après ça, je vais dans Infinix. Voilà, il prend en charge tout sort d'Infinix, il prend en charge tout sort de techno ici. Voilà, donc ici, cette partie, c'est techno ici. Je viens ici, regarde ici, techno Camon 12 Pro. Comment 12R, comment 15 et Phantom, ensuite ça va jusqu'à. Je continue, Spat 8, Spat 9. Je continue, je choisis ici le modèle, vous venez ici prendre FRP. Ok, donc ici dans Universal, il vient dans Universal. Universal, il y a d'autres modèles, la plupart des modèles qui ne sont pas montrés sur le ruban ici, en haut ici. Tous ces modèles sont dans Universal, à savoir Itel, Alcatel, ZTE et ainsi de suite ici. Voilà, tous les modèles qui sont pas dans l'autre côté ici sont inclus ici. Donc, si vous n'avez pas trouvé le modèle de la marque de votre téléphone ici, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas paniqué. Ou bien aussi, n'ayez pas d'autres idées de la tête sur le sel, va vous aider à faire tout. Voilà, donc regardez ici cette liste. Nous avons les ZTE, nous avons les Itel. Nous avons plusieurs marques de téléphones qui existent sur cette plateforme. Voilà, donc ici, en tout cas ici, je le sais là, faire de grosses mises à jour ici. Comme vous regardez ici, il n'y a pas grand chose encore qui reste que je n'ai pas encore expliqué ici. Donc ici, Angel, Look, je viens d'ajouter les différents modèles ici. Donc ici, regardez. Si vous n'avez pas encore installé les pilotes ici, regardez en haut ici, vous avez les pilotes ici que vous pouvez installer directement ici. Donc ici, regardez ici, à savoir de Developer et aussi, voilà, les ADB. Voilà, donc dans le Developer, cette partie, ce sont les pilotes qui s'y trouvent. Voilà, donc ici, regardez ici, regardez, on continue à installer les configurations. Cela, ce sont des pilotes installés. Donc, ceci, nous allons nous arrêter là, vous donner rendez-vous une prochaine fois dans un autre tuto. Merci et à très bientôt.